juste derrière nous? Non, pas grave, Slop. On va faire ce qu'on fait le mieux. Tricher! Wow! Attention! Oh non, ils ont fait écrouler le pont! À la revoyure! Les tricheurs! On n'arrivera pas à sauter aussi loin. À moins de trouver de quoi nous élancer grâce à un pendule. Et ce pendule est arrivé! Hourra! Aide-nous à avoir la bonne hauteur. Crie pendule! Pendule! Rapide comme l'éclair, mais il est loin derrière. On a gagné! C'est comme ça qu'on gagne! Oh, une seconde, AJ! Tu entends ce bruit? Et comment? On dirait que c'est un tremblement de terre! Le tremblement de terre doit être juste sous la montagne. Ça tombe mal, voyons ce qui se passe. Quand l'énergie d'un tremblement de terre se propage dans le sol, elle produit une sorte de vague qu'on appelle onde sismique. Si on veut franchir les ondes sismiques, il va falloir qu'on saute par-dessus. Tiens-toi prêt, Blaze. Il y a 10 vagues gigantesques qui viennent vers nous. Pour m'aider à sauter, compte jusqu'à 10 avec nous. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Et voilà, petite dragonne, une livraison spéciale rien que pour toi. Oh là là! C'est mon nounours! Oh, merci, merci, merci! Avec plaisir, petite dragonne. Maintenant, je peux aller dormir. Dis donc, son nounours est drôlement efficace. Cher pilote, à vos marques! Partez! Je ne peux pas laisser Blaze et Sparkle me dépasser! Je veux gagner! Oh, dommage! On dirait bien que plus personne ne peut franchir la ligne d'arrivée à présent, à l'exception de moi! Oh non! Il faut qu'on trouve un moyen pour passer de l'autre côté! Moi je sais! Et si on allait très très vite pour ensuite sauter? Bonne idée! Il est temps d'utiliser la vitesse explosive! Pour nous donner la vitesse explosive, dis... Fonce Blaze! Fonce Blaze! Et les vainqueurs sont... Sparkle et Blaze! Super course, Blaze et Sparkle! Oui, c'était une course magnifique! Waouh! Merci, les amis! Je n'arrive toujours pas à y croire! J'ai obtenu tous mes autocollants! Et en plus, on a gagné la course! Toutes mes félicitations, Sparkle! Je suis tellement fière de toi! Merci, Blaze! Allez, venez, les amis! Suivez-moi! AJ,
Donne-moi la vitesse d'un semi-remorque. Oh, attention! Nom d'un écrou! Ces rochers ont complètement bloqué le passage! Mais alors, comment va-t-on apporter l'eau jusqu'aux pompiers? On dirait bien que le seul moyen de passer est de foncer dedans pour les détruire! Ça va demander beaucoup de force! Oui! Et je sais comment on peut avoir plus de force! Il suffit qu'on arrive à se rendre plus lourd afin d'avoir beaucoup plus de masse! Une masse de... un total de 100 tonnes! Voyons de combien est ma masse à l'instant où l'on parle! Est-ce qu'il s'agit du nombre 100? Non, c'est seulement 50! Il me faut plus de masse! Hé! Je viens d'avoir une idée! Allô, allô, les amis! Semi-remorque Blaze a besoin de votre aide! Vous me recevez? Bien reçu, AJ! C'est le docteur Rashi! Il paraît que tu as besoin d'aide, alors je suis venue aussi vite que j'ai pu! Merci, Doc! Montez à bord! Voyons si la masse de Blaze a atteint les 100 tonnes à présent. Est-ce qu'il s'agit du nombre 100? Non, c'est le nombre 60. Blaze a besoin d'encore plus de masse. Regardez, ce sont les ouvriers du chantier. Hé, hey Blaze, tu as besoin d'un coup de main? Oui. Merci à vous deux. Est-ce qu'il s'agit du nombre 100? Non, c'est 80. On est déjà très très lourd, mais pour pouvoir traverser ces rochers, il me faut encore plus de masse. Attends, Blaze, ces cris viennent des gorilles. Ils sont aussi venus nous aider. Merci, les gorilles. Voyons voir de combien est ma masse à présent. Est-ce qu'il s'agit du nombre 100? Oui, je pèse maintenant 100 tonnes tout pile. Accrochez-vous, les amis. Il est temps de passer au travers. Incroyable! Le premier qui arrive sur la ligne d'arrivée tout en haut de la montagne du dragon gagne! C'est sûr que ça va être moi! À ta place, je n'en serais pas aussi sûr! À vos marques! Prêt, feu! Partez! Gagne cette course. Tiens, je viens d'avoir une idée. Je vais tricher une toute dernière fois. Attention! Ah! Ah! On a eu chaud. On dirait bien que c'est moi qui vais être le premier à franchir la ligne d'arrivée. Pas question. On peut encore battre Crusher. Vas-y, Blaze, c'est le moment de te servir de la vitesse explosive. Reçu 5 sur 5, AJ. Aide-moi à lui donner de la puissance pour qu'il aille super vite. Dis, fonce, Blaze. Fonce, Blaze. Ouais. Accroche-toi. C'est la ligne d'arrivée. C'est impossible que je perde maintenant. Blaze et AJ sont les grands vainqueurs. Oh non! C'est le vaisseau spatial Blaze. Il
est hors de question que je le laisse remporter cette course. Je vais avoir besoin d'une méthode de triche intergalactique. Il me faut... un cow-boy de l'espace. Wow! On dirait que j'ai été arrêté par une sorte de lasso géant. Oh non! C'est un cow-boy de l'espace! Il nous ralentit! Je suis désolé, Blaze, mais on dirait que cette fois, tu ne pourras pas tirer sur la corde! Cosmic Crusher! Il faut que je trouve un moyen de me libérer de cette corde! Tu en es capable, Blaze! Tout ce qu'il te faut, c'est plus de poussée! La poussée, c'est une force qui propulse vers l'avant! Les moteurs des vaisseaux spatiaux produisent une poussée en brûlant le carburant et en créant une propulsion. Plus l'explosion est grosse et plus la poussée est puissante. Si on crée une explosion assez grande, on crée une force de poussée assez puissante pour casser la corde du cow-boy. C'est parti, essayons ensemble. On va monter la puissance de mes moteurs à 5. Compte jusqu'à 5 avec nous. 1, 2, 3, 4, 5. Ça fonctionne! La corde du cow-boy commence à se rompre! Parfait! Pour créer une poussée encore plus forte, on va monter la puissance de mes moteurs à 9. Compte jusqu'à 9 avec nous en partant de 5. 5, 6, 7, 8, 9! Tu vas y arriver, Blaze! La corde du cow-boy est presque complètement cassée! Il nous faut une poussée un tout petit peu plus forte pour nous libérer. Aide-moi à monter la puissance de mes moteurs à 15. Compte jusqu'à 15 avec nous en partant de 9. 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Ce cow-boy de l'espace n'aurait jamais pu nous arrêter. Pas tant qu'on a notre force de pousser. Oh oh, je crois que la montagne entre en éruption. Oui, elle se met à cracher des boules de fromage géantes. Wow! Oh non, comment va-t-on faire pour récupérer notre pizza sans nous faire percuter par ces boules de fromage? Je sais ce qu'il nous faut. On a besoin d'un objet qui peut couper ces boules de fromage en deux. Il nous faut un coin façonné. Tout à fait. Un coin façonné est une machine simple qui facilite le fait de couper des objets en deux. C'est parti, AJ. C'est l'heure de couper. Aide-nous à découper les boules de fromage géantes qui viennent vers nous. Quand tu vois une boule de fromage géante, dis boule de fromage. Boule de fromage. Ça a marché. Si tu vois d'autres boules de fromage, dis boule de fromage. Boule de fromage. Oh, oui. On a la pizza. Et regarde ça. On voit la ligne d'arrivée. Oh oh, Crusher y est presque. Crusher va gagner la grande course. Il ne nous reste qu'une solution pour réussir à livrer notre pizza avant Crusher. Il est temps d'utiliser la vitesse explosive. Oh oui! Pour me donner la vitesse explosive, dis fonce Blaze! Fonce Blaze! Je le savais! Personne ne peut livrer sa pizza avant moi! Ha! Et surtout pas un Blaze! Et le vainqueur de la grande course de pizza est... Blaze! Et voilà, l'éléphant! Une grande pizza avec un supplément de cacahuètes! Tu n'es pas super excité, Crusher?
On va participer au Grand Prix des Profondeurs. Tu veux dire qu'on va gagner le Grand Prix des Profondeurs? Aucun de ces pilotes ne peut aller plus vite que moi et mon sous-marin. Pas même ce gros poisson rouge. Il a l'air d'aller sacrément vite. Un gros poisson rouge? Génial! C'est Blaze, transformé en sous-marin. Blaze, tu es venu! Et j'ai l'impression que tu vas aller vite. Salut les petits crabes, souhaitez-moi bonne chance. Bonne chance! Regardez, c'est Blaze! Bienvenue à toi. Oh, c'est pas vrai! Pourquoi faut-il qu'il participe à la course lui aussi? Oh, ça va aller, Crusher. Peut-être que Blaze sera très rapide, mais sache que tu possèdes quelque chose qu'il n'a pas. Ah oui? Et c'est quoi? Un magnifique essuie-glace! Blaze, 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 Blaze! Pilote des Profondeurs, tenez-vous prêts! Le départ est imminent! Tu diras à Blaze quand il faudra démarrer. Quand le feu vert s'allume, dis « Partez !» À pied au plancher, à travers les profondeurs. On est les gaz dans les eaux turquoises. C'est vraiment fou. Rejoignez-nous pour le Grand Prix. C'est parti au beau milieu des coraux. Un train d'enfer au fond de la mer. On va assurer le show garo. Remous, méfiez-vous, ça va secouer et bouillonner. Car le Grand Prix, c'est parti, le Grand Prix, c'est parti. Et personne ne pourra me battre. C'est ce qu'on va voir, Crusher. À vos marques. Prêt. Partez. Et ils sont partis. Crusher prend la tête, mais les autres Monster Machines sont juste derrière lui. Pour les ralentir un peu. Attention! Oh non! Les voitures sont éliminées de la course, les unes après les autres. Mais attendez! Un Monster Machine est toujours sur ses roues. Wow! Vas-y, fonce, Blaze! C'est Blaze! Crusher est proche de la ligne d'arrivée. On peut encore le battre. Servons-nous de la vitesse explosive et essayons d'aller plus vite que jamais. Pour me donner la vitesse explosive, dis... Fonce Blaze. Fonce Blaze. Ah, yeah. Ouah. Oui. Et le vainqueur est... Blaze. Fait 9 mètres de haut. Dans ce cas, nos pneus fabuleux doivent faire 10 mètres de haut. Compte avec nous. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. D'équipe. Et
Regardez, l'île de lave est toute proche. D'un écrou. Un jet de lave a détruit une partie du pont. Mince alors, il n'y a plus qu'une seule monster machine capable de franchir la ligne d'arrivée. Et devinez quoi? C'est moi. On ne peut pas laisser la victoire à Crusher. Et sans cette partie du pont, on ne pourra jamais atteindre l'île de lave. À moins qu'on puisse rouler directement sur la lave. Rouler sur la lave brûlante? Blaze, c'est impossible! Mais non, rien n'est impossible quand on est équipé de pneus fabuleux! Oui, excellente réponse! Pour donner à nos pneus le pouvoir de rouler sur la lave, dis pneu spécial lave! Pneu spécial lave! Attention, île de lave, nous voilà! Personne ne me dépassera avant la ligne d'arrivée. Et surtout pas Blaze, hein? Oh! C'est pneu fabuleux! Tous les participants s'avancent. À vos marques. Prêt. Partez. Les participants sont au coude à coude. Lequel décrochera la première place et remportera la coupe du championnat? C'est une égalité parfaite. Blaze, Starla, Zeg, Stripes et Crusher ont tous franchi la ligne d'arrivée en même temps. Ils ont tous gagné la course. Bravo, vous avez tous fait une belle course. Ah, j'arrive pas à y croire. Tous les cinq avoir gagné course de champion. Mais alors, comment est-ce qu'on va faire? Il y a cinq gagnants et une seule coupe pour tout le monde. Peut-être pas, Crusher. Regarde. Par le chapeau de Buffalo Bill, la coupe des champions se divise en plusieurs coupes. Wow, il y a une coupe pour moi. Une pour Zeg. Youpi! Une pour Stripes. Une pour Starla. Et une pour Crusher. J'en reviens pas, j'ai réussi. J'ai enfin gagné une coupe et elle est rien qu'à moi. Félicitations les Monster Machines. On est tous des champions. Regardez, c'est Crusher. Il va bientôt atteindre la ligne d'arrivée. Accrochez-vous bien, j'accélère pour le rattraper. Oh non! Blaze et ses amis sont juste derrière moi. Je dois réfléchir vite et leur jouer un dernier mauvais tour. Oh. Cette fois, je vais utiliser la télécommande pour contrôler cet aimant géant. Qu'est-ce qui t'arrive, Blaze? On dirait que quelque chose me tire vers l'arrière. C'est cet aimant géant derrière nous. Waouh, cet aimant est drôlement puissant. Pour s'écarter de l'aimant, Blaze doit accélérer et faire tourner ses roues vraiment très vite. Voilà, j'augmente la vitesse de rotation des roues. C'est parti, je la règle à 100. Je connais un moyen de faire tourner mes roues aussi vite. Il faudrait utiliser la vitesse explosive. Pour faire tourner mes roues à la vitesse explosive, dis... Fonce Blaze! Fonce Blaze! Regardez, la vitesse de rotation des roues a atteint 60! 70! 80! 90! 100! Fonce Blaze!
moi qui vais gagner. C'est moi qui vais gagner. C'est moi qui vais gagner. Je reprends ça. Hein? Wouhou! J'ai enfin récupéré ma télécommande. C'est la ligne d'arrivée. L'équipe de Blaise a gagné. L'équipe de Blaise a remporté le Grand Prix d'Axel City. Bravo, vous êtes trop fort. Les amis, on a réussi, on a gagné. On forme une bonne équipe. C'est une belle victoire. Il est temps d'utiliser la vitesse explosive des pneus fabuleux. Wow. Pour me donner la vitesse explosive, dis fonce Blaze. Fonce Blaze. Le gagnant est Blaze. Maintenant qu'on a gagné la course de la montagne céleste, comment va-t-on fêter notre victoire? Oh, je viens d'avoir une idée. Que diriez-vous d'utiliser nos pneus fabuleux pour fêter la victoire avec le pouvoir de la glace? Bravo, Super! Monster Machine, mettez en marche vos moteurs! Viens Blaze quand c'est le moment d'y aller. Quand le feu passe au vert, crie partez. Partez. On part à l'aventure, pour nous ça carbure. On va tout donner, personne peut nous arrêter. Accélérateur, qui est le leader? On va tout donner, on va gagner. Appuie sur le champignon, jusqu'au toit du monde. Tous ensemble c'est l'ivresse. On passe les vitesses, pieds au plancher, on va gagner. On va planter le drapeau sur le toit du monde, le toit du monde, jusqu'au toit du monde. Essaie de casser cette toile d'araignée. Ça marche! Ouais! On a réussi! Blaze! Vite, AJ! Allons libérer les autres voitures de course. Beau travail, Blaze! Wouhou! Je suis libre! Tu nous as sauvés! Ouais! Wouhou! On assure! Ouais. C'était quoi ce bruit? Oh, oh. L'araignée tisse une dernière toile emprisonnante! C'est la plus grande et la plus solide qu'elle ait faite jusqu'à maintenant! Elle essaie de boucher la sortie pour nous retenir à l'intérieur du tunnel! Qu'est-ce qu'on va faire? La toile de cette araignée est peut-être solide, mais elle ne résistera pas à mon écarteur hydraulique. Allez, vas-y, Blaze! Tu vas y arriver! Aidons Blaze à se servir de son écarteur hydraulique pour faire un trou dans cette toile géante. Crie écarteur hydraulique! Écarteur hydraulique! Bien joué! Bravo, Blaze! Devine combien il y a de tacos cette fois-ci? 5 ou 10? 10! Ouais! 10 tacos! Ça va nous demander beaucoup de démolition! Ne vous inquiétez pas! Démolition égale grue de
rien ne peut nous arrêter lorsqu'on s'y met ensemble, parce que nous sommes la famille Blaze. Mesdames et messieurs, nous y voilà. Il est temps de découvrir qui va franchir la ligne d'arrivée en premier et devenir notre champion. Oh, un des participants arrive, c'est Crusher. Je vais enfin gagner cette course. Moi. Non, d'un boulon, Crusher est bientôt à la ligne d'arrivée. Ne vous en faites pas. On peut encore le battre, parce qu'on a quelque chose que les autres familles n'ont pas. La vitesse explosive. Vitesse explosive. J'espérais que tu allais dire ça. Oh oui. Pour nous donner à moi et ma famille la vitesse explosive, dis Fonce Blaze. Fonce Crusher est toujours en tête, mais Blaze et sa famille arrivent à toute vitesse. La famille Blaze gagne la course. La famille Blaze gagne. C'est génial. Famille Blaze. Famille Blaze. De collision. Ravi de voir que tu n'as rien. Oh, vous voyez ce que je vois? Non, c'est la ligne d'arrivée. Oh, mais les autres équipes y sont presque. On ne va pas gagner, c'est fichu. Ne pleure pas, on va pas s'avouer vaincu. On forme une équipe et on a encore des chances de gagner la course, du moment qu'on n'utilise pas la moindre technique de triche. Pas la moindre petite tricherie, mais je doute de pouvoir y arriver. Tu es tout à fait capable de gagner sans tricher. Je suis prêt à le parier. Oh, peut-être que c'est vrai. Peut-être que pour une fois, je peux faire preuve d'honnêteté. Ouais. Ouais, à la bonne heure. Dans ce cas, il faut que je fonce. Ouais. Allez, Crusher. Ça y est, mesdames et messieurs, nous sommes enfin sur le point de découvrir les vainqueurs de cette course. Oh, bizarre, je ne vois pas l'équipe rouge. J'imagine qu'ils ont dû... Attendez, les voilà. Oh, mais ils sont à la dernière place. Pourront-ils atteindre la ligne d'arrivée avant les autres équipes? Je ne vais pas tricher. Ils viennent de doubler l'équipe jaune. Je ne vais pas tricher. Je ne vais pas tricher. Ils viennent de dépasser l'équipe verte. Il n'y a plus qu'une équipe à dépasser. Mais elle a presque atteint la ligne d'arrivée. Tiens bon, Crusher, tu peux y arriver. Je ne vais pas tricher. Ils ont réussi. Les Crusher viennent de gagner la course par équipe. Bravo. Je ne vais pas tricher. La course est terminée, Crusher. On a gagné. Quoi? On a gagné? Oh, on a gagné. Félicitations, cher coéquipier. On savait bien que tu allais y arriver. Et le plus beau dans tout ça, c'est que tu as réussi sans tricher. Je suis fier de moi. Ces petits lanceurs de boules puantes nous talonnent. Comment on va faire pour les semer? Je crois que c'est le moment de passer en vitesse explosive. Pour atteindre la vitesse explosive, dis Fonce Blaze. Fonce Blaze. Youhou. Trop fort, ouais.
perds mon chapeau de cow-boy. Le voilà. C'est le circuit du taureau furieux. Wow. Bon, ben je crois qu'il ne nous reste plus qu'une seule chose à faire. Et à quoi tu penses, Starla? À affronter le grand taureau. Yeah. Ah, hop. Attention, prêt? Feu, parti! Sensation forte garantie sur le circuit du taureau furieux. Ça, tu l'as dit. Une chose est sûre, c'est bien le circuit le plus sensationnel de l'Ouest. Les amis, et si on se servait de ça comme encre? Oui, une pelle. Ouais. Je parie qu'elle va vraiment s'enfoncer très profond. Ouh, pelle creusée profond. Vous avez vu? Ça fait diminuer notre vitesse jusqu'à ce chiffre. Quel est ce chiffre? 0. Regarde, on s'arrête. Et regardez ce qu'il y a en bas. C'est la piste de course. Allez, venez les amis, suivez-moi. Nous sommes toujours en piste. Crochet de l'aigle, nous voilà. Voiture de course, on l'accélère. Wouhou. Regardez. Le voilà, le rocher de l'aigle. Waouh. Désolé les escargots, mais vous ne remporterez pas cette course. C'est pas vrai! Crusher approche de la ligne d'arrivée! On dirait que c'est l'heure de la vitesse explosive! Ouais! Pour nous donner de la vitesse explosive, dis... Fonce Blaze! Fonce Blaze! C'est la ligne d'arrivée. Je vais gagner. On a réussi. On a gagné la course. Oui, et encore mieux, nous avons réussi tous ensemble. Voiture de course, on accélère. Je vais gagner la super course de l'espace et devenir le champion de tout l'univers. Moi, Cosmic Crusher. Oh, maintenant c'est sûr, ce n'est pas nous qui gagnerons cette super course. Jojo. Ne vous en faites pas, amis extraterrestres. Il nous reste encore une chance d'en sortir vainqueur. Mais comment alors? En volant avec le maximum de force de poussée qu'on puisse avoir. Oui, on va se servir de la vitesse explosive. Pour nous donner à moi et à mes amis la vitesse explosive, dis Fonce Blaze! Fonce Blaze! Quasiment arrivé. Tout ce qui...
qu'il me manque, c'est une photo de moi en train de gagner la course. On a réussi! On a gagné la super course spatiale! Vous avez vu ces feux d'artifice? Regardez, celui-là me ressemble. Oh, et celui-là, il me ressemble à moi. Regarde, nous aussi, on y est, Blaise. Wow, il y a un feu d'artifice pour chacun de nous. Les champions de la super course de l'espace. Je vais gagner la course des 100 km. C'est pas vrai! Maintenant, plus personne ne pourra le battre! Ça craint! Pas si vite, les amis! J'ai peut-être une solution pour que nous rattrapions tous Crusher. Et si on se servait de la vitesse explosive? Youhou! Wow! Pour qu'on atteigne la vitesse explosive, dis Force Blaze! Force Blaze! La course est 100 km. 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 Je suis Becky Damier et je suis actuellement en direct de la course des 100 km. Il y a une question qui est sur toutes les lèvres et c'est: quelle voiture de course va passer la ligne d'arrivée en premier? Oh, regardez! Un participant approche! C'est Crusher! Je vais y arriver! Ah, je vais gagner! Oh. Attendez! On dirait que d'autres concurrents le talonnent de près! Ils arrivent à toute allure! Dépêchez-vous, les amis! La ligne d'arrivée n'est plus très loin! Allez, j'y suis presque! J'y suis presque! On a réussi, les amis! Ouais! Youhou! Oui. Ouais! On y est presque! Oh. Youhou! Ah, on a réussi! Dites donc, ça déménage! Vous avez vu? Là-bas, c'est la roue magique! Ça veut dire que cette fois, ça y est, on va faire notre vœu. Oh, j'ai une idée. On va demander ce que je voulais. Oui, c'est ça, le plus beau trophée du monde. Ou alors, on peut aussi demander ce que je voulais. Des cornichons. Ou bien, vous savez quoi? Une bonne coupe de glace géante. Ou un joli feu d'artifice. Waouh, tout ça me paraît super. Mais n'oubliez pas une chose. Le pouvoir de la roue magique ne lui permet d'exaucer qu'un seul vœu. Mais... alors, lequel d'entre nous va faire le vœu? Blaze, il le mérite! Moi? Oui! Aucun de nous n'aurait réussi à venir jusqu'ici sans toi! C'est grâce à toi qu'on est passé entre les crocodiles et sous le pied d'un éléphant géant! Sans parler du serpent de tout à l'heure! Ouais, il nous a plus ou moins tiré d'affaire, je dois le reconnaître! Alors vas-y, Blaze, c'est toi qui fais le vœu! Bon, d'accord. Alors, voyons voir... Oh, je sais quel vœu je vais faire. Il a demandé un trophée avec des boules de glace et des cornichons et un feu d'artifice. Eh oui, en fait, j'ai fait le vœu que tous les vôtres soient exaucés. Venez, on va se régaler. Il y en aura pour tout le monde. Oh, nom d'une bielle. Il est succulent, ce petit vœu. Allez,
Si on se dépêche, on peut gagner la course. Quoi? Blaze et ses amis rattrapent leur retard. Ils n'abandonnent donc jamais. Je dois faire quelque chose. Il faut que je triche. Il faut que je détruise ce pont. Blaze, regarde! Méchant, ça être très méchant. Vous pouvez plus me battre. Je suis en haut près de la ligne d'arrivée et vous, vous êtes coincés tout en bas, tous ensemble. Je déteste dire ça, mais Crusher a raison. Le seul moyen d'atteindre l'autre côté, c'est de sauter. Mais aucun Monster Machine n'a jamais sauté aussi loin. On dirait qu'on ne va pas pouvoir arriver au toit du monde, finalement. Oh. Attendez une seconde, les amis. On ne peut pas s'arrêter maintenant. On est des Monster Machines. Et les Monster Machines n'abandonnent jamais. Alors, qu'est-ce qu'on fait, Blaze? Eh bien, on ne s'arrête pas de rouler. Et je sais comment on va faire. Si on utilise la vitesse explosive, on pourra tous sauter de l'autre côté, tous ensemble. C'est incroyable! Aide-moi! J'ai besoin que tu me donnes de la vitesse explosive comme j'en ai jamais eu! Suffisamment pour moi et pour tous mes amis! Pour nous faire atteindre la vitesse explosive, crie... Fonce Blaze! Fonce Blaze! On a gagné la course. Accrochez-vous les amis, nous allons assister à une fin de course épique. Bien joué, Blaze. On est en tête. Il ne va pas rester en tête bien longtemps. Vive les hot dogs! Essaye de me rattraper maintenant! Oh non! Crusher est presque à la ligne d'arrivée! Ne t'en fais pas, AJ! On peut encore gagner! Parce que j'ai aussi un moteur à vitesse explosive! Pour me donner la vitesse explosive, dis... Fonce Blaze! Fonce Blaze! Wouhou! Je vais gagner! Je vais gagner! Je vais gagner! Blaze est le grand gagnant! Oh, oh! Il vient de faire une remontée fabuleuse! Vous avez réussi! Vous avez gagné! Oh oui! Je savais qu'on gagnerait la course! Grâce à ton moteur à vitesse explosive, c'est bien toi le plus rapide au monde! Ça, tu l'as dit! Peu de Monster Machines ont la chance d'avoir un moteur pareil! Oh, ce bruit ne me dit rien qui vaille! Je vais réessayer pour voir. Blaze, tu devrais m'accompagner. Je crois qu'il y a quelque chose qui cloche dans ton moteur. On te suit, Gabi. C'est parti. Je vais examiner ton moteur. Expulsion du moteur. On dirait qu'il y a quelque chose de coincé à l'intérieur. C'est... un hot dog. Un hot dog? Et regardez là-bas. C'est lui! Le paquet cadeau doré! Oh! Crusher y est presque! Le paquet cadeau doré! C'est moi qui vais l'avoir! Oh oh! Catastrophe! Crusher va arriver le premier, il faut faire quelque chose! Alors il est temps de passer à la vitesse explosive!
Pour nous donner la vitesse explosive, dis fonce Blaze. Fonce Blaze. Personne ne peut plus m'empêcher de remporter la course. Oh, c'était quoi ça? On a gagné la course. Nom de fer à cheval. Regardez ça. Le couvercle du paquet cadeau doré se soulève. Le paquet s'ouvrit. On va enfin savoir ce qu'il y a à l'intérieur. Dedans, il y a un cadeau spécialement pour moi. Nous aussi, on en a. Moi aussi, j'en ai un. À l'intérieur, il y avait plusieurs cadeaux et chacun de nous en a un. Bon, allons-y. Il est temps de les ouvrir. Oh, j'ai un bâton sauteur. C'est ce que je rêvais d'avoir. Moi, j'ai une fusée en modèle réduit. Exactement ce que je voulais. Chou-oui! Un beau lasso tout neuf. Trampoline! La classe! Un petit dinosaure! Un skateboard! Un éléphant en peluche! Une guitare électrique! C'est fou! Dans le paquet cadeau doré, il y avait le cadeau que chacun voulait! Speed Eric! Il est là-bas! Il se dirige vers la montagne! Ce n'est pas une montagne! C'est un volcan! Un volcan! Il faut absolument qu'on récupère la clé avant qu'il arrive au sommet. AJ, appuie sur le champignon! Salut, Spiderick! Tu es là? C'est pas possible! On est venu récupérer la clé, Spiderick! Ah ouais? Eh ben vous l'aurez jamais parce que je suis trop rapide pour vous! Tu t'en souviens pas? Tu m'as peut-être déjà battu, mais ça ne se reproduira pas cette fois. Car maintenant, j'ai une forme aérodynamique! Terminé, Speed Eric. Maintenant, tu vas nous rendre cette clé. T'es peut-être devenu plus rapide que moi, mais tu peux toujours rêver pour que je te la rende. Il a jeté la clé. Elle va atterrir dans la lave. Il n'y a qu'un seul moyen de l'attraper à temps. On a besoin de la vitesse explosive. Pour atteindre la vitesse explosive, dis fonce Blaze. Fonce Blaze! Et... attrapé! Wouhou! Ouais! Love! Wouhou! Ouais! On a réussi, Blaze! On a évité tous ces volcans en éruption! Bon, et bien maintenant, il ne nous reste plus qu'à finir cette course. Blaze et AJ, autour du monde! Je n'en crois pas mes yeux. Blaze et AJ ont presque réussi à faire un tour complet du monde. Mais souvenez-vous les amis, seule la première équipe à passer la ligne d'arrivée gagnera la plus grosse coupe du monde! Alors, retournons voir les images de cette arrivée haletante. Regarde, Crusher, on voit la ligne d'arrivée.
sorte de jet à canon à eau. Je me demande s'il n'utiliserait pas le génie mécanique. Décale-toi un peu, je dois tricher une dernière fois pour gagner. Blaze, attention! On a évité la catastrophe. Oh non, regarde! Crusher est quasiment à la ligne d'arrivée. Il est assez près, oui, mais la course n'est pas terminée. Activation de la vitesse explosive! Pour me donner la vitesse explosive, dis Fonce Blaze! Fonce Blaze! Et le grand vainqueur de cette course au tour du monde est... J'ai du mal à le croire. On a fait une course tout autour du monde et on a gagné la plus grosse coupe du monde. Eh oui, rien ne peut nous arrêter quand on travaille en équipe. Blaze et AJ, au tour du monde. Ultra-puissant. Ah, et il s'apprête à faire fondre ce qui reste de ce pont de glace. Venez, nous devons traverser absolument ce pont avant qu'il ne soit trop tard. Ah, ce robot soleil me brûle le pot d'échappement. Dépêchons-nous, nous n'avons que 9 secondes pour traverser ce pont avant qu'il ne fonde. Aide-nous à le traverser à temps. Fais le compte à rebours à partir de 9. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Oh oh, soleil encore plus chaud. Alors, pont fondre encore plus vite. Il ne reste plus que 7 secondes avant que le reste du pont ne fonde. Fais le compte à rebours à partir de 7. 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Ouais! Bon travail! Bien joué, les amis! Il ne reste plus qu'un pont de glace. Mais les rayons du robot soleil ont l'air vraiment très très chauds! Il ne nous reste plus que 5 secondes pour traverser ce dernier pont de glace. Fais le compte à rebours à partir de 5. 5, 4, 3, 2, 1. Oh, pourtant j'étais persuadé que mon robot soleil au rayon ultra puissant allait faire fondre les ponts. Voilà, comme ça. Oh oh. Regardez, c'est la ligne d'arrivée. On a réussi. On a gagné le rallye polaire, les amis. Oh, et vous savez ce que ça veut dire? On remporte aussi le trophée de glace. Du pain sur la planche, il faut remettre toutes ces lumières à leur place. Waouh, il y en a un paquet. Vu le nombre, ça va nous prendre un temps fou de toutes les replacer. Ne vous en faites pas, AJ et moi, on peut remettre ces lumières à leur place super vite grâce à la vitesse explosive. Pour qu'on atteigne la vitesse explosive, dis Fonce Blaze. Fonce Blaze. Éclaire la nuit. La lumière, c'est l'énergie visible éblouie. Produisant plus d'énergie. La lumière, c'est de l'énergie qui est visible. Oui, oui, nous on éclaire la nuit. Des sources de lumière illuminent l'obscurité. Éblouis, rayons du soleil, une bougie allumée. La lumière,
lumière, c'est de l'énergie qui est visible. Oui, oui, nous on éclaire la nuit. Ouais, oui. Beau travail, Blaze. Ça y est, toutes les lumières ont été remises à leur place. Attends, Blaze, il reste une dernière petite lumière dans le sac. Wouhou, pas de soucis, je m'en charge. Oh, bravo! Venez, les amis, il est grand temps de terminer notre course. Attendez une minute, j'ai quelque chose à vous proposer. Puisqu'on a tous des marquages lumineux, ça vous dirait de faire la course dans le noir? Sans les projecteurs? Attention, bolide lumineux. À vos marques, prêt, feu, brillez. C'est bon pour toi? On va utiliser la flottaison basse ou haute pour passer les différentes fleurs requins. Où doit-on passer pour les éviter? Doit-on passer par-dessous ou par-dessus? Par-dessus, oui! Ajoutons de l'air dans notre réservoir de ballast. On est passé facilement! D'autres fleurs requins! Doit-on passer par-dessous ou par-dessus? Par-dessous! On expulse de l'air pour descendre plus bas. Des fleurs requins! Doit-on passer par-dessous ou par-dessus? Par-dessus! Regardez! C'est le bout du tunnel! Mais pour sortir, interdiction de se faire croquer par ces dernières fleurs requins. Doit-on passer par-dessous ou par-dessus? Par-dessous! Ouais! À une prochaine, les fleurs requins! Blaze, tu as vu? C'est le sous-marin de Crusher. Et voici le grand château de sable qui représente la ligne d'arrivée du Grand Prix des Profondeurs. Si on ne se dépêche pas, Crusher va la franchir en premier. Certainement pas, parce que même sous l'eau, je peux compter sur la vitesse explosive. Pour nous donner la vitesse explosive, dis fonce, Blaze! Fonce, Blaze! Profondeur, le sous-marin Blaze. On a arraché la victoire, on a réussi. Ouais. Félicitations, Blaze. C'était une sacrée course. Merci les petits crabes. D'après le dessin de la carte, le trésor est enterré sous une grosse croix. What? Un X indique toujours où le trésor est caché. Il doit y avoir un X quelque part autour de nous. Aide-nous à le trouver. Où est-ce que tu vois un X? Oui, il est là. Le trésor est enterré à cet endroit. Creusons pour le récupérer. J'ai une idée. On pourrait utiliser la vitesse explosive pour creuser et déterrer le trésor super vite. Pour m'aider à creuser super vite, dis fonce, Blaze! Fonce, Blaze! Regardez! Le voilà, c'est le trésor! On l'a trouvé! Hop là! On a les meilleurs! On a trouvé le trésor! Et si on l'ouvrait pour voir ce qu'il y a à l'intérieur? D'accord, c'est parti! Waouh! Waouh! Oh!
est un écrou. Le trésor se transforme en un circuit géant. Wow, j'en crois pas mes yeux. Une piste en or pour faire la course. Nom d'un petit bonhomme. Allez, tous sur la piste du trésor. En avant, Moussaillon. Allons faire un tour de piste. Ouais. Oui, bonne idée. Bravo, Marc. Prêt, j'ai son retour. Et on a récupéré la clé. Super. Et voilà. C'est qui le meilleur? C'est Blaze. Blaze. Ah, c'est horrible. Ils vont tous recommencer à rouler à toute vitesse. Je préférerais de loin être le seul à pouvoir aller super vite et... Ah, un sabot de roue. Enlevez-le. Hé, Spiderick, tu as besoin d'aide? Oh, Blaze, il faut que tu m'enlèves ce truc, s'il te plaît. D'accord, mais d'abord, tu dois me promettre que tu n'empêcheras plus jamais personne de rouler à toute vitesse. Plus jamais de la vie. Oh, c'est promis. Dès maintenant, n'importe qui pourra aller aussi vite qu'il le veut et à n'importe quel moment. Je suis content d'entendre ça. On va te retirer ce sabot de roue. Tu m'as sauvé. Merci, Blaze. Ami. Oh, cool. Super. Hey, je viens d'avoir une idée. Puisqu'on peut tous rouler super vite, qui aimerait faire la course? Tout le monde. C'est classique. Wow. Ah. Voiture de course, mettez les gaz. C'est parti. Prenez le lance-pierre. Si on lance la balle maintenant, elle retombera là-bas. Est-ce qu'elle touchera le bouton du robot? Non, elle ira trop loin. Allez, on va réessayer. Si on la lance avec cette force, la balle retombera ici. Est-ce qu'elle touchera le bouton du robot? Oui. Fais de beaux rêves, robot. Génial. On a réussi. Oui, on a éteint tous les robots lanceurs d'oreillers. Maintenant que c'est fait, direction la ligne d'arrivée. La ligne d'arrivée, elle n'est plus qu'à quelques mètres. Je vais gagner la poursuite de minuit. Non, je ne peux pas laisser tout le monde me rattraper maintenant. Il me faut une ultime tricherie. Comme par exemple... Ce levier pour actionner le pont basculant. Attention, le pont est en train de se lever. Je crois que cette fois, c'est sûr, c'est moi qui vais remporter la course. Oh non! La seule façon d'atteindre la ligne d'arrivée, c'est de faire un grand saut. Mais c'est un saut extrêmement périlleux. Hey, mais on peut le faire, les Monster Machines. Pour ça, il suffit de rouler super vite et de sauter à la vitesse explosive. Génial! Pour qu'on aille tous ensemble à la vitesse explosive, dis fonce Blaze!
Blaze. Fonce Blaze. C'est moi qui vais gagner. C'est moi qui vais gagner. Conclusion fantastique. Oui. Hé, hey, Pterodactyle, tu penses pouvoir m'emmener? Oh oui. Youpi. Merci pour votre aide, Pterodactyle. Au revoir, copain. Équipe dinosaure, regardez, c'est là que se trouve la ligne d'arrivée. Mais alors, nous être presque à fin de Derby Dino. Oui, et si on se dépêche, on a encore une chance de gagner la course. Équipe Dino. Bonjour, bonjour les dinos. Ici Bob Bumperman sur la ligne d'arrivée du Derby Dino, où tout le monde est impatient de découvrir qui va gagner le trophée dinosaure. Une petite minute. Il semblerait qu'une première équipe soit en vue de la ligne d'arrivée. Il s'agit de... Crusher et de son coéquipier Dino Pickle. Bouge de là, Pickle. Ce trophée dinosaure est rien qu'à moi. Moi. Oh non, c'est pas possible. Non, pas cette des Blaze. Ces gars-là forment vraiment une bonne équipe dino. Oh, je ne peux pas les laisser me battre, non! Il me faut une dernière tricherie, quelque chose comme... ça! J'espère que Blaze et Zeg pourront dino-gérer une cuisante défaite! La dino-porte, elle se ferme! Oh oh! Ça pas bon! Le seul moyen d'arriver avant que la porte ne se ferme, c'est de rouler à toute vitesse! Alors utilisons la Dino Vitesse Explosive. Pour nous donner la vitesse explosive, dis Fonce Blaze. Fonce Blaze. Et les vainqueurs du Derby Dino sont... Blaze et Zeg. Oui. On a réussi, Zeg. On a gagné. Blaze, AJ, vous êtes le meilleur coéquipier Zeg à avoir eu. Est-ce que tout le monde est là? À vos marques. Prêt? Voler! Yeah! Génial! Feu du ciel! Oh, cool! Wow! Tu voles trop bien, Blaze! Comment tu gères? Je le savais! Je suis imbattable! Car je suis... feu du... quoi? Blaze m'a dépassé! Oh non! 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 Je ne le laisserai pas gagner! Feu du ciel! Non, feu du ciel nous a dépassés! Regarde, il est presque à la ligne d'arrivée! Pas grave, on peut encore le battre! Mais j'ai besoin de voler super vite grâce à ma vitesse explosive! Ouais! Pour aller à la vitesse explosive, dis... Fonce Blaze! Fonce Blaze!
dès que tu vois un dragon, dis dragon. Dragon! 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 Génial! Il ne reste plus qu'un seul dragon enflammé. Dès que tu vois le dernier dragon, crie dragon! Dragon! Ouais! On les a tous neutralisés! Regarde, Crusher est presque à la ligne d'arrivée. Il faut qu'on le rattrape. On va utiliser la vitesse explosive. Pour me faire atteindre la vitesse explosive et me faire aller encore plus vite, dis Fonce Blaze. Fonce Blaze. Bien le bonjour, messire Crusher. Quoi? Encore toi? On dirait que c'est l'occasion de savoir qui va le plus vite, une bonne fois pour toutes. On se retrouve sur la ligne d'arrivée, messire Blaze. Ça va le ralentir à coup sûr. Une boucle de boue, attention. Cette fois-ci, tu ne mourras pas. Oh non. Oh. Le grand gagnant de la course royale est Messire Blaze. Oh, vive Messire Blaze. Tu as gagné la course royale. Ouais. Tout le monde est prêt. Pour me donner le pouvoir d'aller super vite, dis Fonce Blaze. Fonce Blaze. Mesdames et messieurs les camions, le moment tant attendu est arrivé. Place à la course. Bien, est-ce que les concurrents sont prêts? Moi oui, de toute façon il n'y a que moi. À vos marques, prêts? Stop, attendez une seconde. Non, on n'attend pas. Se pourrait-il que... J'espère pas. Oh, voilà Blaze et LJ, ainsi que Wax et Gabi. Oh, ils sont de retour. Coucou, Crusher. Je t'avais dit qu'on reviendrait. Oh, non, 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 non. Concurrents, à vos marques. Attention, prêt? Parfait. Derrière moi, je dois les empêcher de me dépasser. Il faut que je triche. Oh, attention devant. Crusher a mis un barrage sur la piste. Pas grave, c'est pas ça qui va nous arrêter. AJ, Gabi, appuyez sur les champignons. Quelle performance électrisante! Une course sous haute tension du début à la fin. Vous serez d'accord avec moi pour dire que ces champions ne manquent pas de jus. Il ne reste plus qu'un petit singe à secourir.
voyons si le prochain code mènera jusqu'à lui. Saute en avant, saute en avant, saute en avant, saute à gauche. Est-ce que ce code va jusqu'au petit singe? Non, parce qu'il n'est pas sur cette pierre. Alors essayons un autre code. Saute en avant, saute en avant, saute en avant, saute à droite. Ce code mènera-t-il Blaze jusqu'au petit singe? Oui! Ces instructions diront à Robo Blaze comment arriver jusqu'à lui. Code bien reçu! Démarre! Saute en avant! Saute en avant! Saute en avant! Saute à droite! Et stop! Et voilà! On les a sauvés! Alors accrochez-vous, les amis! Je vais vous ramener sur la terre ferme! Bravo à toi, Blaze! On a mis tous les animaux hors de danger! Oui! Mais j'aurais bien voulu qu'on arrive aussi à boucher le cratère du volcan! Mais oui! Comme ça, le problème de la lave brûlante serait réglé une bonne fois pour toutes! C'est vrai! Mais où trouver quelque chose d'assez gros pour boucher le cratère d'un volcan? Ouh! Peut-être ce gros rocher sec trouvé à côté! Par le chapeau de Buffalo Bill, ce sera parfait! Par contre, si on veut boucher le cratère de ce volcan, on devrait probablement se dépêcher, parce qu'il est sur le point d'exploser à nouveau! Vous êtes prêts, les amis? Le moment est venu d'utiliser la vitesse explosive! Pour qu'on aille à la vitesse explosive, dis fonce robot! Fonce robot! Qu'on trouve un moyen pour faire descendre Crusher et Pickle. Vite, dessinons un plan. Et si on faisait quelque chose de grand et d'incliné pour qu'il puisse glisser du haut de la tour? On va bâtir un super toboggan géant. Dépêchons-nous, les amis. On ferait mieux de construire ce super toboggan super vite. On va se servir de la vitesse explosive. Youhou! Donnez de la vitesse explosive, dit Fonce Blaze! Fonce Blaze! C'était avec plaisir. Et c'est la preuve que quand on a de super coéquipiers, plus rien ne peut nous résister. Et maintenant, allons tous faire du toboggan. Génial. Allez, viens, Crusher. On va retourner faire du toboggan. Eh bien, pourquoi pas? Il n'y a aucune raison de ne pas... Darrington, j'ignorais que tu avais un chat comme animal de compagnie. Blaze et Edgy, laissez-moi vous présenter le chat le plus incroyable du monde. Mon ami... Chacrobat. Un chacrobat? Tout à fait.
Chaque robot adore faire des sauts et des loopings autant que moi. On s'est bien trouvé. On est des Jamarades. Mon chat et moi sur un trapèze volant. On est si doués que c'en est impressionnant. Bien dit, chaque robot. On ne skie jamais car on est chaque robot et moi bon. Jamarades. C'est saut en feu. Looping audacieux. J'allais dire, devant un jury, on ferait carton plein. Pour chaque robot et moi, le plaisir est sans fin. Jamie pour la vie, de vrai. Chabarade, on va dire. Chabarade, Chabarade. Toi et chaque robot êtes incroyables. Oh, oh, allez bien, Chacrobat, c'est l'heure de commencer notre démonstration. Ah, au revoir. Bonne chance à vous deux. Crusher, Crusher, il faut absolument que tu vois ça. Darrington et Chacrobat vont pas tarder à commencer leur super démonstration. Oui, oui, Pickle, donne-moi une seconde. Je dois faire sortir le ketchup de sa bouteille. Tu es prête? Alors on y va! Je ne contrôle pas ce hot-dog! Nom d'une durite! Darrington est en train de s'envoler au loin sur ce gros ballon hot-dog! Darrington! Voilà la roue de Watts! Nom d'un écrou! Ce camion long-corne se sert de la roue de Watts comme oreiller! On va devoir être encore plus prudent si on tient à récupérer la roue de Watts sans réveiller le camion! Pour soulever le dernier camion long-corne, quelle flèche faut-il suivre? La flèche rouge! Bravo! Le grappin, c'est à toi, Hagrid! Ça y est, on peut enfin récupérer la roue de Watts. Ouais, on a la roue de Watts. Tout ce qu'il nous reste à faire, c'est la lui rapporter. Et il n'y a rien de plus facile. Oh oh. C'est le réveil des camions longue corne. Il se réveille. On ferait bien de filer. Si on veut sortir de cette grotte en un seul morceau, Blaze doit mettre les gaz. Activons la vitesse explosive. Pour me faire rouler à la vitesse explosive, dis fonce Blaze. Fonce Blaze. Petite minute, si je me trompe pas, ce sont mes amis. Vous avez réussi, vous avez retrouvé ma roue. Je te l'avais promis. Maintenant, je vais la remettre à sa place d'origine. Oui. Tu me passes des attaches? Trop bien. Bonheur de pouvoir rouler à nouveau. Merci les amis. Tout le plaisir est pour nous. Oh, ouais, je suis un navire brise-glace. Monster Machine. Oui. Bien, il est temps d'aller sauver Darrington avec ma pleine puissance. Oh, Blaze, viens m'aider. Regarde, Darrington est là-bas. Oh non! Cet énorme mur de glace nous barre la route!
Afin de le traverser, il faut qu'on prenne plus de vitesse pour augmenter notre puissance. Aide-moi à accélérer pour atteindre une vitesse de 5. Compte jusqu'à 5. 1, 2, 3, 4, 5. Pleine puissance! Nom d'un enjoliveur! Encore un mur de glace! Dans ce cas, il va nous falloir encore plus de puissance! Aide-moi à accélérer pour atteindre une vitesse de 6! Compte jusqu'à 6! 1, 2, 3, 4, 5, 6! Pleine puissance! Ouais! Oh, oh! Regarde! On a presque réussi à rattraper Darrington. Oh oh, mais il reste un dernier mur de glace. Et c'est le plus grand de tous. Pour passer à travers, il nous faut le plus de puissance possible. Avec une vitesse de 7. Compte jusqu'à 7 avec moi. 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7. Pleine puissance. Oh ouais! Ah! 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 Darrington! Ouais! On a... Pour éteindre cet incendie, on a besoin de toute l'eau qu'on peut avoir. Je vais utiliser ma visière pour voir laquelle de ces trois cuves contient le plus d'eau. Voyons voir ce que ma visière me dit. Visière, montre-nous quel volume d'eau est contenu dans chaque cuve. Cette cuve contient 50 mégalitres d'eau. Cette cuve en contient 100. Et celle-là en contient 70. Quel nombre est le plus grand? 50? 100? Ou 70? C'est 100, oui! Ça veut dire que c'est cette cuve qui contient le plus d'eau. Elle a donc le plus gros volume. Vite, AJ, relie notre lancer incendie à cette cuve. Tout de suite, Blaze. Ça y est, tu as à nouveau de l'eau. Génial! T'es prêt à y retourner? On va se servir de toute cette eau pour éteindre ce feu une bonne fois pour toutes. Yeah! Regardez, chef! Blaze est de retour! C'est exact. Et cette fois, j'ai suffisamment d'eau pour éteindre l'incendie. Ouais! Fantastique! Bien que tout le monde recule, laissons Blaze intervenir. Je suis certain que tu vas y arriver. Est-ce que tu es prêt, AJ? Je suis prêt! Il faut qu'on vienne à bout de ce feu! On est tous avec vous! Faites attention! On déploie l'échelle! Et on actionne la lance à incendie! Ça va chauffer! Chauffer! Il suffit de nous appeler! Ça va chauffer! Chauffer. Tout va s'arranger. Nous on aide les gens, quel que soit le moment. Même quand ça sent le roussi, nous on sauve des vies. Ça va chauffer, chauffer, yeah, yeah, yeah. Ça va chauffer, chauffer, yeah, yeah, yeah. Ça va chauffer. Ouais. On a réussi, Blaze. Le vieux pont est sauvé. Remarquable. L'incendie est éteint. Vous venez de livrer l'un des combats les plus difficiles que j'ai jamais vus. Merci, chef. Vous pourrez toujours compter sur nous. Top et moi. Yeah. Vite, il faut me transformer en remorqueur. Le premier élément qu'il nous faut est une coque. Cela permet au bateau de flotter sur l'eau. Pour fabriquer une coque, dit coque. Coque. Super! Maintenant, il nous faut des pare-chocs pour protéger la coque quand nous pousserons. Pour fabriquer des pare-chocs, dit pare-chocs! Pare-chocs! Et enfin, il nous faut une hélice puissante qui tourne très vite pour permettre à notre remorqueur de pousser très fort. Pour fabriquer l'hélice, dit hélice! Hélice! Et voilà! Je suis un remorqueur! Monster Machine!
secours! Oh non! Gasquatch se dirige vers des branches pointues! Si son radeau touche les branches, il va crever et il va couler! Remorqueur à la rescousse! Oh, incroyable! Il faut aider Blaze à pousser plus fort. Activation de la visière. En ce moment, Blaze pousse avec une force de 5. Mais pour arrêter le radeau, il faut pousser avec une force de 15. Compte jusqu'à 15 avec moi. On commence à 5. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Génial! C'était très impressionnant, Blaze. Je n'avais jamais vu quelqu'un se transformer en remorqueur. Tu m'as sauvé la vie. Oh, c'était rien, Gasquatch. Bulle divisée! 1, 2, 3, 4, 5! Très joli coup, Sir AJ! Sir Blaze! Sir AJ! À l'aide! Regarde! C'est Violette! Mais le vent éloigne sa bulle de nous! Vas-y, monte à bord, AJ! Il est temps d'utiliser la vitesse explosive! Pour me donner la vitesse explosive, dis Fonce Blaze! Fonce Blaze! Oh, mais de rien, Violette. Et on n'est pas les seuls à être contents que tu sois saine et sauve. Regardez, ce sont les autres licornes. Violette, tu es sauvée. Oui. Allez bien, Violette. Maintenant qu'on est toutes réunies, rentrons à la maison. C'est une excellente idée. Et je connais le meilleur moyen de nous y rendre. Les sept licornes sont en train d'utiliser leur magie pour créer une piste arc-en-ciel. Blaze et AJ, suivez-moi. Chevalier à l'arc-en-ciel. Les chevaliers. Pour arriver au sommet où se trouve l'œuf, il faut qu'on brise les rochers dès l'instant où on les aperçoit. Alors dès que tu vois un rocher, crie « Rocher !» Rocher ! Yeah ! Ça a fonctionné ! Zeg, pensez, autre rocher arrivé ! Pulvérisons-les ! Avec grand plaisir ! Dès que tu vois un rocher approcher, crie « Rocher !» Rocher ! Rocher! 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 Regardez, l'œuf est juste là. On a réussi. Oh, petit œuf, j'ai jamais laissé malheur arriver à toi. Ne perdons pas de temps. Plus vite l'œuf sera en sécurité et mieux ça vaudra. Wouhou! Vous avez réussi à sauver l'œuf! C'était vraiment incroyable! T'as pas trouvé ça incroyable, Crocheur? Si, mais bon, c'est moi qui les ai envoyés le sauver. Du coup, moi aussi je suis un peu le héros de l'histoire, bah oui! Bah non. Hé, hey, les gars, regardez un peu de ce côté. Oh, ni petit œuf, ni petit œuf. Oh.
Voilà. Retrouver Nid, comme Zek t'avoir promis. Maintenant, Zek devoir te laisser. Être bien sage. Beaucoup manqué à Zek. Adieu, petit œuf. Attends voir, Zeg. Regarde. Oh, petit œuf, toi éclore. Oh, je veux voir ça. Petit œuf, plus être un œuf aujourd'hui. Toi être bipi camion dactyle. Toi trop mignon. Tu vas réussir, Blaze. On est presque arrivé à la grande roue. Le seul problème, c'est qu'il reste un autre mouflon. Pour pousser plus fort que ces trois pirates mouflons rassemblés, il me faut plus de force que jamais. Une force égale à 17. Compte jusqu'à 17 avec moi. On reprend à partir de 11. 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Semi-remorque, emporte tout. C'est géant! On a réussi! On a récupéré la grande roue! Tout le matériel nécessaire à la grande fête des animaux est chargé et prêt à partir! Oh, tiens! Des nouvelles de Stripes! Blaze et Jay, il faut que je vous montre quelque chose. Les animaux que j'ai invités à ma fête sont tous en train d'arriver. Ne t'en fais pas, Stripes. Tu vas tout récupérer à temps. On te le promet. Message bien reçu, AJ. On va utiliser la vitesse explosive du semi-remorque. Pour me donner la vitesse explosive, dis... Fonce Blaze! Fonce Blaze! Semi-remorque Blaze, tu as sauvé ma grande fête des animaux. Ça c'est sûr, ces vaches savent s'amuser. On descend la rivière avec un troupeau. On descend la rivière sur un radeau. Oui, on descend la rivière jusqu'à mon joli petit ranch. J'espère qu'on sera pas frappé par une branche. Attention. Ne vous en faites pas, les vaches. Nous allons vous sauver. Mais elles ont le moteur et elles avancent très vite. Comment va-t-on les rattraper? Ça y est, j'ai une idée. Les différents endroits de la rivière avancent à des vitesses différentes. Ce sont les courants. Et si on suit le courant le plus rapide, on pourra rattraper les vaches. On dirait que la rivière a deux courants. Un ici et un là. Quel courant avance le plus vite? Celui-là, oui. Ça marche. Ce courant nous fait avancer plus vite. Mais pour rattraper les vaches, il faut aller encore plus vite. Observons l'eau pour trouver un autre courant rapide. Quel courant avance le plus vite? Ce courant-là, oui. Ah ouais. Les courants! Regardez, on a presque rattrapé les vaches! Il faut nous dépêcher et trouver un autre courant rapide! Wow! Maintenant, il y a trois courants! Lequel avance le plus vite? Le courant du milieu! Suivons-le! Accrochez-vous, les vaches! Wouhou! Ouais! Wouhou!
Oh, de rien, petit veau. Aide-moi à inventer une mâchoire puissante comme en possèdent les T-Rex. D'abord, il faut qu'on imagine une pièce qui fera le corps du dinosaure. Une pièce comme un bras hydraulique. Pour fabriquer un bras hydraulique, dis bras hydraulique. Bras hydraulique. Cool. Maintenant, il ne manque plus que la mâchoire puissante. Pour en faire une, utilisons une pince de démolition. Ça a la forme d'une mâchoire et c'est efficace pour broyer des choses très solides. Pour fabriquer une pince de démolition, dis pince de démolition. Pince de démolition. Génial! Je suis devenu un tyrannosaure Monster Machine! Ne perdons pas de temps! Allons vite tester notre invention! Rocher, je vais vous croquer! Tiens-toi prêt! Voilà un énorme rocher! Notre invention a marché! Tu es prêt? D'autres énormes rochers nous arrivent dessus! Combien de rochers se rapprochent? Deux! Oui! Tu es prêt pour deux gros crocs? Un! Et deux! Bien joué! Oh! Hein? On dirait que d'autres rochers nous arrivent dessus! Combien de rochers arrivent cette fois-ci? Trois! Exact! Un! Deux! Et trois! Wouhou! Wow! Il en arrive vraiment beaucoup cette fois! Combien de rochers comptes-tu? Cinq! Réussi! On s'est débarrassé de tous les rochers! Wouhou! Au secours! Nom d'une durite! À cause des skis à réaction, Crusher va s'écraser sur cette immense montagne de boue! On doit vite le tirer d'affaire! Mais comment on va faire? On n'a pas de matériaux qui soient assez résistants à la traction pour arrêter les skis! Moi, si! Et si on se servait de baleine? Évidemment, un seul bras de laine n'a pas une résistance à la traction très élevée. Mais regardez, si je tricote deux fils ensemble, ils sont plus résistants. Plus j'ajoute des fils de laine, plus mon tricot sera solide. Allez, Maminette! Elle tricote à vitesse grand B. Waouh! Hey, tu as vu ça? Maminette tricote une corde bien épaisse, très élastique et résistante. Et voilà qui devrait suffire. Waouh, ça c'est une corde sans pareil. Vite, testons-la. Filez mes petits, allez sauver mon crochounet. Vous pouvez compter sur nous, Maminette. Oh oh, Crusher s'approche de la montagne debout. Waouh, à l'aide. Pour rattraper Crusher, on doit utiliser la vitesse explosive. Pour me faire atteindre la vitesse explosive, dis Fonce Blaze! Fonce Blaze! Vite Blaze, c'est le moment! À ton avis, la corde de Maminette est-elle assez solide pour arrêter les skis? Voyons ça! Regarde! La corde de Maminette est si résistante à la traction qu'elle ne se casse pas, même quand les skis à réaction tirent dessus! Quoi? Je me suis arrêté? Ils ont arrêté les skis à réaction! Oh, oh! Mon chéri, tu es sain et sauf! Tu as réussi, Maminette!
Tu m'as sauvé. Oh, ta maminette ferait n'importe quoi pour toi, mon petit crochounet que j'aime et que j'adore. Mon choupinou. Hein? Attendez, vous avez entendu, vous aussi? Cela annoncerait-il l'arrivée de Blaze et Darrington? Salut les Monster Machines, je suis de retour. Et cette fois, j'ai une batterie qui est suffisamment rechargée pour aller jusqu'à la Lune. Vieux, je crois bien que cette fois-ci, il va réussir son coup. C'est certain, il va nous décrocher la Lune, mon pote. Bon, on te souhaite bonne chance, tout là-haut. Oui, et nous ici, on t'encouragera du mieux qu'on peut. Mais attendez une minute. Je sais pas si vous savez, mais j'ai de la place dans ma fusée. Ça vous dirait de vous envoler avec moi pour atteindre la Lune? Oh oui. Tu parles que ça nous dirait. Alors grimpez, je vous attends. Lunettes de l'espace, chaussée. Rampe de lancement, en position. Je n'ai plus qu'à lancer le compte à rebours du décollage. Tu comptes avec nous? On commence à 5. 5, 4, 3, 2, 1, décollage! Wow, ils m'ont le droit. Regardez, la voilà, la Lune. Wow, j'en ai le souffle coupé. Si tu penses que ça c'est génial, attends d'avoir vu ça. Je suis tellement heureux! J'ai réussi à atteindre la Lune! J'acrobate! Oui! Oui! Elle l'a sauvé! Oh, j'acrobate! Tu es la petite minette la plus courageuse du monde entier! Maintenant, accrochez-vous tous! On a un spectacle à terminer! Oui! Je n'aurai jamais l'occasion de faire une belle cascade qui fera que les gens m'acclameront. Bah, j'avais pas l'intention de dire quoi que ce soit, mais il se trouve que je sais où trouver un tremplin, juste là-bas. Oh. Tu crois que les gens vont m'acclamer? Sans aucun doute. Mais tu devrais peut-être pas, car... Ouvre-toi de la bigueule, il y a un saut qui m'attend. Wow, t'es vraiment très courageux, Crusher. J'aurais jamais cru que quelqu'un accepte de faire un saut dans une baignoire de banane. Baignoire de banane? Oh! Hé, hey, regardez tout le monde! Ils sont de retour! Darrington! Oh ouais! On a réussi! Oui, c'est vrai, Chacrobat! On peut enfin faire notre spectacle! Mais si vous voulez faire tous ces énormes loopings et ce grand saut, il va falloir que vous alliez très vite. Heureusement pour nous, on a le pouvoir d'accélérer et d'aller super vite. On peut utiliser la vitesse explosive. Wow! C'est parti, tout le monde! Faisons-le tous ensemble! Oui! Pour nous donner la vitesse explosive, dis Fonce Blaze! Fonce Blaze! Regardez, c'est le dragon! Il emporte la borne royale au-dessus du marais labyrinthique! Tous à sa poursuite! Chargez! En avant! Un marais labyrinthique!
sur un tic? Ça ne m'inspire rien de bon. À mon avis, il faut prendre cette direction. Que nenni! Je pense que nous devons passer par là. Que nenni! Il faut aller par là. Grand Dieu! C'est une impasse! Quelqu'un peut-il me dire ce que cette plante étrange fait là? Elle n'est pas ordinaire, c'est sûr. C'est un lierre géant du marais! Nom d'une douve! Non! Pauvre de moi! Oh, Monsieur Blaze, vous venez de me sauver. Hein? Vite! Ne restons pas là! Oh, quelle aventure! Ce marais est infesté de lierres géants! J'ignore comment nous allons faire pour les éviter. Pas de problème, chevalier. AJ et moi allons vous sortir du marais. De nombreux chemins du labyrinthe mènent à des lierres géants. Mais comme dans tout labyrinthe, il y en a un qui évite les lierres et nous conduira à la sortie. Hurrah! Nous vous suivons, messire Blaze. N'oublie pas, pour éviter ces affreux lierres géants du marais, il faut qu'on prenne le chemin qui ne mène pas vers une impasse. Alors, à ton avis, doit-on prendre le chemin numéro 1, numéro 2 ou numéro 3? Le numéro 1, exact! C'est le seul où il n'y a pas de lierre ni d'impasse. À ton avis, il faut prendre le chemin numéro 1, numéro 2 ou numéro 3? Le numéro 2. On est bientôt sortis!